Le développement du secteur agricole gabonais, priorité des autorités, prend progressivement forme. Le ministère gabonais chargé de l'agriculture acte cette politique et multiplie les partenariats pour le développement de l'agriculture dans le pays. C'est dans cet ordre d'idées que Charles Nvela a procédé à la signature jeudi des mémorandums d'entente avec El Bougadi Group, entreprise égyptienne spécialisée en agriculture et en élevage à grande échelle. Bien sûr, il est venu ici par une invitation du ministre de l'Agriculture, M. Charles. Et il vient ici pour développer, bien sûr, l'agriculture en Gabon. Il ramène les savoir-faire, la technologie égyptienne ici au Gabon. Dans la mise en place de sa politique de production agricole, El Bougadi Group a sa petite idée sur les productions prioritaires. Bien sûr, il va commencer par qu'est-ce que les terres il va accepter. Il va commencer par les maïs, les maniocs, les bananes. Et il va faire des petits tests pour savoir quel ingrédient exactement ça va développer bien. Il commence par des grosses quantités. Et bien sûr, par rapport à qu'est-ce que les besoins du peuple gabonais. Ce mémorandum a pour objectif d'aboutir à un partenariat qui permettra au Gabon de bénéficier de l'expertise égyptienne en la matière pour une production agricole locale massive.